Et je pense que la société a supposé lever campé pour dénoncer ça, c'est vagabondage. En tout cas, j'en dis annoncé, nous prenons un petit brassé d'idées avec le magistrat Jude-Édouard Pierre, qui c'est président FENAM. Avec lui, nous prenons connaître quelques éléments d'information concernant le dossier ça. Et nous allons essayer d'avancer pour nous regarder comment ça y est. Nous prenons laisser parler avec le magistrat pour nous voir comment ça présenter. Passé parce que oui, l'Assemblée magistrat finalement disponible. Magistrat Jude-Édouard Pierre, bonsoir et bienvenue à l'émission Tikoze ak Tete. Son plaisir pour qu'on revienne après-midi. Comment nous y est? Salut au DP, je salue tout le monde qui a suivi l'émission. Excusez-moi parce que j'ai un problème de signal, parce que je suis dans le Jacmel. Ok. Je salue tout le magistrat qui a suivi et tout est internet, tout est disponible qui a suivi. Merci infiniment, magistrat. Je connais que on est fatigué parce que, semble moment, ça, on a l'impression qu'on pas chita du tout, non, chef, là. On a multiplié les rencontres. Oui, non, moment ça, la position qui on a mis aujourd'hui, je demande que vous toujours sur la balle, pour présent, et puis il y a un peu de difficulté et tout. C'est avec un peu d'engagement, de manière de le faire ici, un peu de conviction, hein, pour faire arriver à des fois, offrir au minimum des résultats, et pour l'environnement immédiat, et pour la population qui vote là, stabilité au niveau national à travers FENAM, parce que c'est énorme quand même, surtout. Un gouvernement et un pouvoir et d'État qui généralement pas gagné à revoir avec collectivité de fonds humains. Incroyable, oui, la vienne sous sa magistrat parce que nous pas pris ici après-midi. Justement, magistrat, avant de rentrer dans tout le détail, c'est qu'on s'en fait l'émission Ticozac TT parce que santé, c'est priorité pour nous. Nous avons un contexte particulier qui c'est question coronavirus. Est-ce que ou en forme magistrat, comment y est ou même entourage aux amis, aux communes ou tout, comment nous y est dans la commune face à la maladie coronavirus là? Bon, au niveau de la santé personnelle, moi, je pense que jusqu'à présent, moi, ok. Je n'ai pas gagné aucune maladie particulière jusqu'à présent qui est décelée. Seulement, surménage, parfois, fatigue, stress, qui c'est capable de créer d'autres soucis de santé, mais globalement, je pense que ça peut aller. Pour ma commune, par rapport à la pandémie, moi, parce que tout que j'ai un peu de difficulté, malgré un téléphonerie après. Et depuis le 28 février, nous avons lancé la lutte contre le coronavirus là. Nous avons fait un plan municipal de lutte contre la COVID-19. Nous avons 13 secteurs qui là-dedans. Nous avons fait un plan d'action municipal. Nous avons investi donc, comme mairie avec cette mobilisation. Nous avons accompagné Kazekio avec le délégué de Villiers. Nous avons fait une formation pour environ 500 formateurs qui ont fait réplique sur le territoire là, formation sur Kazekio, distribution de matériel à l'effet de sensibilisation. Et puis, nous avons gagné trois stades bien identifiés. Pour un stade d'assez avant, et entre maladie à l'impéria et sensibilisation de choses, prévention. Deuxième phase, c'est les maladies à entrer dans l'impéria. Et si ça va nous faire, troisième phase, c'est les maladies à seulement entrer dans l'impéria, mais les entrées cassées. Ce type d'action, nous sommes menés sous leadership protection civile. C'est nos bails exemple ça, c'est une idée de l'État, il faut que les citoyens soient impliqués. Donc, nous-mêmes, quand on a d'abord exprimé le niveau communal, comme magistrat, nous avons été stabilisés dans ce sens-là. Et jusqu'à présent, il y a un contrôle de maladie à nos plus ou moins rien, même si, au fait, MSPP refusait de travailler avec collectivité, au TKIDIL, mais on a remonté qu'à contation, pour faciliter une meilleure réponse contre la propagation pandémie. Globalement, moi, je n'ai pas vraiment de grande satisfaction, parce que justement, nous sommes pouvoir local, nous dépendons du pouvoir central. Si le pouvoir central, au plus haut niveau, a fait coordination et réponse, et que l'agenda n'a pas un dispositif et au cœur de l'approche, donc assurément, chaque magistrat a fait ça au café, mais ce n'est pas dans un cadre institutionnel qui coordonne et que l'identifier rôle chaque acteur au niveau local. Mais par rapport à sa capacité d'intégrer, il demande de sérénité et solidarité. Et respect continu, directive pour faire le bail, nous assurer de la mesure du possible, et application est faite. Magistrat, sous base ça, l'on a commencé là, c'est d'un coup, j'en parlais, hein.
nous t'as senti que pas de trop collaboration entre le pouvoir central et les collectivités territoriales, tandis que nous t'as représenté véritable moteur développement ou bien changement dans le pays. Dis-nous rapidement, comment vous-même, comme président FENAM, comme, bon, dans un premier temps, peut-être jusqu'à présent, qui c'est un proche pouvoir quand même, comment ou est gestion gouvernement par rapport à la pandémie COVID là en Haïti? Bon, moi, j'ai une approche. Moi, je pense que l'État haïtien, tout comme les autres grandes puissances du monde, n'était pas en mesure, n'était pas équipé, préparé, outillé, armé pour faire face à une maladie de cette ampleur. D'autant plus que nous, quand on dit que la santé n'a jamais été une préoccupation pour les pouvoirs qui sont succédés ici en Haïti depuis 87, c'est-à-dire que par exemple, une sanitaire adéquate pour déjà bailler soin et minimum, voire une pandémie qui vient, qui saute au système sanitaire italien, qui saute au système sanitaire américain, qui saute au système sanitaire français. Donc, effectivement, sous plan ça, il faut relativiser les choses, que justement, pas bien possibilité pour Haïti de faire face de manière régulière et à pandémie ça, parce que les grandes puissances du monde qui ont les meilleurs systèmes de santé ont failli, se sont cassés la gueule, au fait. Et par contre, et comparativement à certaines grandes puissances qui totalement, qui exposent un scepticisme par rapport à maladie, on veut dire États-Unis, et on veut dire le Brésil, je veux dire qu'il y a des conséquences. Moi, je pensais que dès le départ, le gouvernement, et depuis 18 mars, 19 mars, c'est près des mesures, je pensais qu'il était qu'à aider. La seule grande erreur, je pense que c'est une erreur capitale, pour moi, aurait été l'exclusion des collectivités territoriales et d'autres partenaires. Par exemple, l'hôpital privé, et Mério, Kazekio, qui exclut dès le départ dans l'approche-là. Deuxième mag a été sous les gros état-major qui a dirigé Crisa, parce que Crisa, dès le départ, vient de passer le stade sanitaire. Il vient d'une crise multidimensionnelle. Donc, on n'a pas qu'à bailler des chips-là à santé publique. Donc, une réponse sanitaire, une réponse médicale, mais comme il vient aujourd'hui à une crise humanitaire, faut gagner l'autre secteur qui griffe, par exemple, protection civile. Donc, on pense à ce niveau-là, il y a des biens graves qui commettent. Mais par rapport au fait que le gouvernement, quand il prend mesure pour fermer les frontières, les douanes, tout ça, aéroports fermés, seulement, il y a des accès à l'État-Unis, qui me pense que le territoire, tout ça, qui est pas dans la politique, mais il y a tellement de choses qui sont là. Là, c'est le deuxième niveau d'erreur, vous m'avez dit que vous allez commettre. Si vous fermez toutes les frontières net globalement pour tous les pays sans considération aucune, peut-être que nous aurons bien le premier cas de 19 ans, parce que nous songeons que c'est un avion de ligne qui sortit aux États-Unis, ou du football sortit Belgique, qui passe aux États-Unis entre Haïti, alors que le bac qui sortit en France, vous venez à Haïti directement. Or, c'est en France, ou dit que sorti, ou dit qu'il y a une possibilité pour le temps de Haïti, il t'a prêté, prends soin à l'étranger, il n'y a pas de quoi gagner un caillou. Donc, je pense que c'est des erreurs qui commettent, qui étaient qu'à provoquer une véritable hécatombe. Même, je pense tout que par rapport à différents systèmes de santé pendant les 30 dernières années, nous pas qu'à dire que gagner, pas gagner qui fait. Et jusqu'à présent, nous sommes à environ 3000 cas, dont 51 ou 52 morts. Ouais, mais par rapport à la République dominicaine, qui vient tout à fait plus sérieux, et que il gagne un pile moyen, ouais, que lui, au-delà de 400 morts, et plus de 20 000 cas qui sont infectés, comme passé jusqu'à présent, et le ministère ou le gouvernement aurait fait un travail acceptable, même s'il ne connaît que, il y a des erreurs stratégiques qu'ils commettent, en particulier l'exclusion de la collectivité, les hôpitaux privés et la protection civile, et absence de état-major, qu'à aider, eh bien, tenir compte de dimension plurielle crise là, dans le sens que les initiatives humanitaires, problème grand goût, il faut aborder, c'est pas un supplicable pour problème grand goût, d'accord, ça a dérangé, je dis à nos villes, nos questions, saison cyclonique, c'est pas un MSPP, donc je pense qu'on devrait accorder beaucoup plus d'importance au ministère de l'Intérieur et de la Politique territoriale, parce qu'en fait, la réponse globalement, elle devrait être apportée
en coordination avec les collectivités, qui sont les entités qui ont pignon sur l'ensemble du territoire. Parce que je veux dire, tout différent pour information. Dans deux minutes, tout magistrat dans le pays a connaître. Pendant ce temps, c'est tout le ministre de l'Intérieur qui m'a fait 3-4 jours, il m'a rejoint. Protection civile, mobilisation nationale, dans toutes les sections communales, les 172 sections communales, les 140 communes, il a tout gagné. Il a tout gagné, et c'est protection civile là-dedans. Il a tout gagné casé là-dedans, il a tout gagné avec des délégués de ville là-dedans. Donc, il y a un système national de gestion des risques de dégâts. Et comme pandémie, nous nous considérons comme un désastre, comme une menace à la sécurité publique. Si on était mobilisé dès le départ, campagne de sensibilisation, hein, c'est qu'à bah, plus de résultats, je veux dire, vous n'avez pas réticent pour croire dans la parole politique, parce que c'est technique, c'est des mondes qui parlent qui ont sens, parlent qui ont des écoutes, qui ont porté, qui ont des meilleures informations qui a jeune population hein, à travers des de personnalités qui ne sont pas les plus crédibles, mais parlent qui ont bien plus d'importance hein, sur le plan sanitaire de la question de la fille. Non, mais, il y a des qui critiquent ça, magistrat Jude, et ça te fait après-midi, on te souhaite parler avec vous personnellement, parce que, on sait non seulement magistrat commune Kafou, mais on sait président Fédération nationale magistrat. Yo. Ça veut dire, tout magistrat dans le pays a gagné une connexion avec vous, en quelque sorte. Qui ça qui expliquait que je dis, en dépit d'une crise sanitaire aiguë qui n'en payant, c'est que nous constatons le cas multiplié. Et une bagarre où dit moi-même personnellement pas à 100% quoi. C'est pas parce que quand Saint-Domingue ou bien d'aller moins que Saint-Domingue, non. Moi-même crois que c'est parce que nous pas une capacité pour le faire test suffisant. Parce que chaque jour mourir chaque jour aujourd'hui en Haïti, nous n'en sommes sans malaise, sans sainte fièvre. Et personne par contre qui ça a le gagné. Parce que nous pas une capacité pour le faire test suffisant pour nous. Ça, c'est pour les parties. Mais qui ça t'a expliqué que je dis, hein, on est capable de dire exclusion ça, tandis que nous-mêmes, nous plus proches population, mais pouvoir central, dans le de Premier ministre Jout, qui déparle sous ça, qui dit que. Il n'y a pas forcément besoin de nous, parce que lui-même, tout le poids de la population. Et je n'ai pas tant d'autres réponses sur ça comme président final. Non, mais. Qui ça explique ça? Non, mais. Attendez. Si vous avez un côté, PM te dit ça, vous et le bon moi, s'il vous plaît. Magistrat, vous sérieux? Premier ministre Jude Kapale qui dit que pendant que tu as bien un pile magistrat de levé campé, parmi les magistrats, Osmi la petit frère, tu as parlé sous question, etc., pour voir si tu n'as pas collaboré. Premier ministre, là, monsieur, non discours, monsieur a déclaré, et je cherche extrait ça, monsieur Demirelli, monsieur a déclaré que pour qui ça nous oblige à dire que mairie au plus proche de la population, alors que la police proche de la population, tout, charger l'autre monde de la population, pour qui ça c'est magistrat, yo. Ok? Non, non, c'est deux bagailles. Non, non, c'est deux bagailles. Moi, c'est le premier monde, premier monde dans le pays, magistrat dans le pays, qui soulevait les problématiques d'exclusion collectivité dans la gestion COVID. Là. Et c'est le premier magistrat dans le pays, même avant le ministère de la Santé publique, qui était un plan d'action municipale contre la COVID-19, qui était homologué par le ministère. Là. Ça m'a dit là-même, on met quoi? C'est le premier magistrat qui ont plein d'action municipale, un document de 34 pages qui prépare sous base expérience médicale de la désastre, que nous communiquons comme modèle dans le MSPP, qui déjoue l'homologation et puis pour nous procéder à l'exécution en premier. Donc sur les 146 communes, la commune de Carrefour a été la première à avoir préparé un document plan de lutte contre la COVID-19 et qui était encouragé magistrat pour yo suivre ça m'a fait qu'à foi et comme président final pour me dire que on crise vous avez pas arrêté de yo c'est fait que montrer que yo présent et c'est à partir de là qu'on va sensibiliser tout le monde sur nécessité d'impliquer collectivité. Donc les faits sont là, les écrits sont là aussi, donc pas aucune possibilité pour nous de recuser tes actes et Julie Noir. Et comme président de la Fédération des maires d'Haïti, comme maire de Carrefour, a été le premier des maires, le premier à protester contre l'exclusion des collectivités de la gestion de la COVID. Par la suite, un pile d'autres magistrats viennent suivre moi, un pile monde dans la société viennent suivre moi. C'est la tenue de la tortue qui m'ont salué. Et bien, j'ai eu un discours comme ça par la suite, ensemble avec moi, parce que moi, j'ai même écrit au gouvernement et pour me dire, nous devons communiquer conjoint pour nous expliquer position nous et faire proposition. C'est-à-dire que si nous parlons de ministre, je t'ai dit que le parti n'a pas tellement besoin de nous, tout le monde connaît Julie Doir, même si je t'ai pas comme premier ministre.
même s'il était tonton, même s'il était frère, je lui donnerai la réponse sur le champ. Ça veut dire que moi, par exemple, j'ai que lui dit qu'il n'a pas besoin et parce que la police est proche. Lui qui a dit la police proche, oui, effectivement, la police proche. Mais qu'est-ce que la police a fait? La police n'a pas les moyens là-dedans. La police n'a pas géré rien. Donc, la police aux ordres, c'est mairie, c'est Kazek qui est administratif, qui a une capacité, ça a des moyens, ça. Je veux dire, ça, mairie, fait notre pays en gestion, notre civilisation. C'est pas mairie, le gouvernement a cassé bouche, il a cassé dans tout le monde, il pas la possibilité de dire le contraire, il a cassé dans. Et tout le monde témoigne, si ça, chaque mairie d'un pays a fait, sensibilisation, pas courir ensemble, pays a boué. On va dire, non, seul mairie, pas faire action de sensibilisation. C'est vraiment la globalité. C'est pas la majorité, non? C'est unanime que toutes les mairies ont mené des actions de sensibilisation sur le territoire. Ça, on est fiers de ça. Mais attention, PM, le gouvernement ici, surtout ce gouvernement qui passe à la présidence de journalier, pourquoi jamais mon premier ministre, pourquoi jamais mon gouvernement qui a un réflexe de cette décentralisation à l'Académie, et qu'on est automatiquement monté, il faut travailler avec les collectivités. C'est ça, nous avons hier, nous n'avons pas la présidence de journalier, là, moi, je dis ça. Il aurait raté la chance quasi ultime pour sauver la décentralisation, comme moun qui sortit du Tour du Nord, sortit Port de Paix, en province, et que libéré la petite Nério, comme Tadou, et il t'a déplorable ça. C'est-à-dire que notre mission a toujours été critique par moment, et en fonction des conjonctures, mais nous-mêmes, nous n'avons pas poche nous, pour nous parler de problèmes collectifs, si un premier ministre, si un ministre, si un président, si un monde quelconque attaquait l'intérêt collectivité. C'est fois vraiment. Son bagage, s'il t'a dit qu'il n'a pas besoin de magistrat, parce qu'il est limité de population et tout, donc, même bon, garantie, j'en dis là, si je viens de tech et voir ça, m'étendre le contrat, puis pas trop tard pour me faire une réponse. C'est ça, ici, que nous. Moi-même, t'as fait une interview, côté que le dit que, et la police, c'est pour la population, que le devoir de population. Moi-même, je me fais avec PM, non, ce problème, ça, mais il n'y a pas jamais dit non. C'est seulement action ou pas posée. Parce que je dis à la collectivité, c'est une situation difficile. Je dis à la collectivité, c'est la première entité dans le pays qui fait plus de sensibilisation. Or, lorsqu'on a une pandémie comme ça, on a des moyens disponibles pour faire ça nourrir de manière pour faire des soins. C'est prévention pour faire sensibilisation. Et je dis à la première acte de prévention, c'est mériter, lui prouver que ça nous fait dans le pays. Donc, ça veut dire que, et puis, sans moyen, 250 000 gouttes pour mairie deuxième catégorie, et pour troisième catégorie, 400 000 gouttes pour mairie première avec chef-lieu d'arrondissement de département. Donc, là, on dit, 400 000 gouttes, c'est la civilisation. Ouais, c'est lui après où? Parce que moi-même, pour m'acheter beau kit seulement pour 700 000 gouttes. Vous d'accord? Beau kit, tu as vendu 700 gouttes. Moi-même, m'acheter 2300 gouttes moi-même. C'est 2300 boutiques, moi-même, café seulement. C'est-à-dire que action ou non, peu d'action par nous, on a des financements propres, mais il y a fou. Bien, propres, mais il y a fou. Même les gens, il y a des moyens de financer l'activité, l'héritage des moyens de financer l'activité. Nous sommes les mairies les mieux équipées, les six communes les mieux équipées de la République, financièrement et logistiquement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un système d'action qui a mené pour nous, ça a plus pouvoir central, mais l'autre six mairies, ça y a 140 autres qui vont faire rien. Donc, ça n'a pas expression réalité de la décentralisation en Haïti. Ça, c'est exception liée. C'est ça qu'on fait. Moi, je dis, donc, on peut venir sur la carte pas besoin de collectivité. Non, on va aller comme ça. Et Jude, en charge, on est de la Fédération des maires pour t'arrêter sur la chose. Pour faire ta réponse immédiatement, proportionnellement à la gravité de la déclaration. C'est ça. Il était dit, m'a cherché, me promet tout, m'a fait un jambe chercher extrait ça pour me joindre bien. Et puis, magistrat, tu t'abris tellement tiré pied. Magistrat, tellement tiré pied. Ouais, mon magistrat, ou pas tellement sous tiré pied. Ça, sous tiré pied, ou pas en pile, parce qu'il y a une question mandat qui a géré tout, n'a vint sous ça tout à l'heure. Magistrat, mais ou pas sans savoir que, il y a des magistrats qui dénoncent ça. Pendant que vous parlez comme ça, moi-même, il y a des magistrats, d'ailleurs, il y a un parler avec une émission de Cicozacté déjà ici, hein. Qui dit que yo même yo connaît gen des bagay que pouvoir central voye dans communauté hein? Mais c'est qui est-ce qui gère bagay ça yo, c'est directeur départemental yo qui gère question hein? Et puis des moun qui plus ou moins connecté à pouvoir, c'est wa mon machine campé là, et puis il dit la bay gan, la bay ceci, la bay cela, alors que mairie yo magistrat principal là pas au courant.
Qui ça qui explique l'exclusion ça? C'est ça, oui, nous dit. C'est ça, nous ministre Albaï a dit qu'il est caché dans le marché tabac. Bon, moi, ce magistrat n'a pas connu. Il n'a pas qu'à faire le cafou parce que moi-même, je n'ai pas accepté. Il n'a pas qu'à le faire à Kaye, il n'a pas qu'à le faire Delma parce que nous-mêmes, on va accepter. Mais il ne faut pas considérer nous-mêmes seulement comme magistrat dans le pays. Il y a 146 communes. C'est ça, on est toujours à contester. Les magistrats ont été doux ça dans les premières lignes de l'éveil. C'est la parole de la FINAM. C'est moi qui soulevais question ça. Et je dis à Kachne, il y a une mairie directement. C'est le même de ma gueule. Là, par exemple, une situation de fait par la communication. Non, magistrat, voilà, pourquoi on aller vite? Parce que moi-même, pas briller, moi-même, c'est nèg fond verrette. Là, dit cache de la jeune mairie directement. Est-ce que c'est toute mairie la joine ou bien catégorie la joine? Ah, mais si un magistrat cache de la baille la caille, pendant 10 derniers jours, ça, lui, il va passer par lui, c'est lui qui voulait, à moins qu'il ne pas informé nous, parce que, en tant que ça a été dit officiellement que, les cachemins seront justement remis aux conseils municipaux à des faits de distribution. Pas de problème que délégation les cachemins parle, parce que délégation vous êtes le gouvernement directement. Pas de problème que vice-délégation les cachemins tout, mais cette question que magistrat ou pas de cachemins, lui hors de question, nous pas accepter, et moi-même recevoir, Grissi recevoir, Akaye recevoir, Saint-Marc recevoir, Gonaï recevoir, Okapaïsien, Kapaïsien recevoir, Jamel recevoir. J'ai vu les maires en train de distribuer les cachemets. Ouais, je les ai vus quand même. C'est pas dès le départ, non, dans le moment ça. Même pas, vous voulez parler pour mal défendre, parce que gouvernement, administrateur territoire, je venais là, pas aucun monde dans le Sénat qui m'a défendu de bon magistrat. Parce que les maires ont été traités par un pauvre. Nous, pas qu'à nous bien courage, ça, on a défendu la situation ça, au niveau rapport qu'il y avait collectivité. Mais écoutez, quand on est homme d'État, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Si dans un moment, il y a un problème de coordination, il y a une amélioration de 15 à 20%, il faut dire tout d'accord. Il faut dire qu'il pas suffit, il faut le plus. Mon pas a toujours été dans l'extrémité pour dire que rien n'est encore fait. Je vous dis, par exemple, Carrefour, moi, je dis que tout cas qui identifié, il faut communiquer moi. Moi, j'ai gagné, j'ai commencé à faire, moi, 19 cas sous 222, moi, frustré, me vexé, moi, indigné, je suis pas d'accord. J'ai commencé à faire. C'est seule commune, j'ai commencé sous impulsion, sous pression, sous plaidoyer que je fais pour montrer l'importance si vous avez un cas, vous avez aidé à remonter, cas contact et combattre la propagation avec MSPP. Ils étaient d'accord ensemble avec nous, ils ont commencé à communiquer 19, et c'est en 1920 qu'il y a 8 personnes qui ont dit qu'ils étaient infectés à Carrefour, on se fait à 41, qui c'est Port-au-Prince. Vous comprenez? C'est là, nous déjeunons l'autre 7 personnes qui viennent faire test Carrefour, mais qui n'ont pas habité Carrefour, hein? Qui n'ont pas aucun lien avec Carrefour. Moi, j'ai demandé pour retirer 15 personnes par eux. Ça veut dire que c'est parce que nous t'avons suivi. Mais attention, ils ont commencé seul. Moi, on dit parce que, ouais, mais Carrefour a tellement bien coordonné, il va continuer dans moi. Ça veut dire son bagage, vendredi, dans la conférence de madame Abfaya, nous allons dénoncer le vendredi que le ministère de la refuse de communiquer information sur cas qui effectue Carrefour, de manière à ce que le comité communal de coordination de la réponse contre la COVID-19 là, capacité et des ministères là, et nous parlent vraiment affronter aussi au Pafel. Et me demander de nous faire pareil pour tous les maires de la République. Mais si on m'a dit qu'il n'y a pas intéressé Mandela, il va automatiquement que va communiquer. Ça comme dit mais ça on met en capacité pour yo puissant pour au service de MSPP et au bénéfice de population. Donc gouvernement qui là yo qui passe yo dans pouvoir président là pas jamais gagné refait de centralisation la caillou. Donc toujours penser mais yo magistrat yo traité avec yo et que magistrat pas droit gain autonomie la jamais talent mais tout ministre mais magistrat pas gagné. Donc c'est ce qu'on a toujours dit depuis 4 ans, et on le reprend textuellement, sans bavure, sans réserve. Il y a plusieurs mon Carrefour qui n'a la vla qui suivent l'émission Tikozak TT, qui a écrit tout. Mais me rappelle la dernière fois que je suis croisé avec vous ici dans New York. Oui, je suis croisé avant à New York dans l'heure de émission ramassée. Et puis nous t'as parlé et t'es dit que qui ça ou pour mettre mon Carrefour comme ou son équité sorti comme agent exécutif intérimaire et mon Carrefour t'es finalement accepté pour venir diriger commune non mais t'es toujours plein question fatra dans Carrefour etc. embouteillage t'es toujours existé insécurité
N'a pas vu sous ça d'ailleurs, rester sous ça, mais. Nous faisons une semaine en sous, il faut nous sous lui. Ah, ah, ou on voulait qu'on s'y baille sous lui. Ou te dis que vous-même, dans le cadre, on a le baille, qu'a fait l'autre visage. Ça fait un bon petit temps, hein, parce que je t'ai croisé avant, non, non. La brasserie créole, dans le cas d'émission ramassée. Oui, dans ramassée avec Jean Monnard. Exactement. Le Sam, tu es un sénateur Patrice Dumont, tu es là, tu es un. Tu as fait votre signature, lui. Exactement. Oui, je me parle avant, on a fait un bon petit tap causé sur divers problèmes. On te dit que tu étais n'importe où arrivé à Haïti ou à Carrefour, sous mandat PAM, non, mais pour l'autre Carrefour, et pas ça, me connais. Zone Saint-Charles, côté que trottoir a toujours embouteillé, fatra, etc. Blocus passé par la zone Paloma, on te dit que tu as géré la question ça. Ça veut dire que si je parle de Carrefour, je pourrais être l'autre bagaille. Bon, je dis qu'on est venu avec Aspresa parce que moi, en fin de mandat, moi, en phase. Non. Et je suis habité au niveau FENAM, c'est que je suis la communauté de l'homme. De tout bas, il relatif. Moi, je suis pris engagement, ça, je suis dit, je suis monté dans le Carrefour, je fais 4 ans, je fais 4, multiplié par 365 jours au massif à dans la ville là, et innové. Moi-même, bon, je m'en ai dit, je dis, si je me dis, je suis un Carrefour, ben c'est faux, je dis, je suis un Carrefour, mais je suis un Delma, oui. Delma, je dis, je suis un Delma. Mais qui est-ce que je suis un Delma? C'est un Carrefour. Et c'est tout Delma, et tout Delma, je suis un Carrefour. Je dis, c'est le premier magistrat dans le temps nous qui fait plus de bagaille. Mais vous avez dit, il y a Fatra, Delma, Delma, vous d'accord? Delma, je dis, Fatra, vous d'accord? Pour qui ça, vous n'avez pas de ça, c'est pas tiens, vous avez toujours dit, moi-même, Carrefour, si vous avez dit Fatra, vous résumez, ce que vous avez dit Fatra, et tout le bagaille, vous n'avez pas même pas d'accord, discours ça. Son discours qui ont distorsionné, qui est intéressé, qui visait, lever au monde, baisser au lot. Moi, je sais défendre mon bilan et les faits sont là. Les actions que j'ai menées pour la ville, elles sont visibles. Même si nous avons dit dans l'opposition, qui veut se remplacer nous à l'élection, c'est démocratie, mais on ne peut pas nier ça qui fait. Même pas aucun magistrat dans le pays d'Haïti, tété. Aucun magistrat dans le pays d'Haïti. Les statistiques, je les ai compilées depuis mon investiture à la mairie de Carrefour, qui ramasse Fatra Passem du site en Haïti. Je ne fais aucune exception. Aucun magistrat dans le pays d'Haïti va mettre Fatra Passem. Aucun magistrat. Les faits sont là, mal de vous qui ça. Mais tu quoi, ça qui passe sur ce Fatra. Moi, je viens de mettre Carrefour, moi, je viens d'un seul camion Fatra. Vous d'accord? On seul matériel. Je dis à mes 33 matériels là-même. Je dis à mes 33 matériels là-même, mes Carrefour. C'est pour moi, vous dites, il faut équiper mes rires. Je construis, je monte au centre d'équipement municipal. Moi, je suis Martinique avec 12 camions Fatra. Le cadre de développement international dédié, pas de l'argent, mon cas ne va pas payer taxes, le gouvernement pas pensé à la mairie, m'a développé un axe central, c'est la coopération internationale. Il fait 3 jumelages avec étrangers. Il y en a avec Santiago de Cuba, il y en a avec la Martinique de la Martinique, France, et il y en a avec Granby du Québec, Canada. Je suis venu avec 12 camions Fatra, je suis venu avec 4 camions pompiers, hein, je suis venu Claudia. Moi, j'ai acheté 2 bascules pour mes rias. Moi, j'ai 5 là même gouvernement. Moi, j'ai acheté tank et camion de l'eau pour me faire pour m'arroser. Et puis, je dis, il y a un service pompier performant de la République. Service pompier municipal. Moi, je n'ai pas pour ça. Il y a juste un pile Fatra là. Il y a mesuré. Ah, un pile Fatra. Je ne vais pas empêcher de faire ce Fatra. Il y a Fatra. Mais ma suite MTT, 2 fois par jour, Fatra là, il y a un métier moi-même. Et après, si vous passez pour tout le monde, il y a du monde qui ah, mais ça, quand ça veut dire que pas fait par la rue, non? Mais depuis là, je me ramasse. Et bon, mon manager, là, nous comparons, je dis, et Tapar, Nice, et Yuri, et Serov, tu des doigts. Mais pour me prendre Fatra, on me dit qu'à fois avec elle. Pour me laver, je me suis dit, soleil, quand t'avais fait ma tissant, je me dépensé 25 gallons de gaz, j'ai dit, je me dépensé 3 gallons pour aller pour le vestir soleil lui-même. Ma tissant, qu'on fait un mois et demi bloqué, c'est tout ma fouille, mais Fatra quand même. Parce que je ne vais pas parler de tête, moi. Comme mon matissant, il va venir garder, venir dans la situation pour qui ça m'a réalisé dans mes rues. Nous avons qu'en 4 ans, nous construisons un centre d'équipement de 33 matériels municipaux. Après mes rues d'Elma, c'est mes rues d'un pays qui a plus de matériels. Nous avons un seul camion qui a été en panne. Sur ce point, je compte suivre vraiment qu'on gagne du feu dans Port-au-Prince et puis mairie Carrefour qui a porté secours. Mais ceci n'empêche pas cela parce que il y a des gens qui disent même on petit place publique que vous pas joindre dans mon Carrefour. On vient, bon bagaille, on vient, chérie. Moi, mais ça. Oui, actuellement, là, je vais faire une interview avant là.
m'envoie une vidéo pour vous. M'a construit la première bibliothèque municipale de la de Carrefour après 200 après depuis 1813 Carrefour existait 207 ans d'existence. Là moi l'ai moi dans premier étage bibliothèque là, n'a préparé là pour n'a couler dalle pour faire inauguration le 5 juillet. M'a construit actuellement la première place publique de Carrefour dans Fontamara 45. Même pas fait bouler avec eux parce que c'est dernier c'est surprise pas mbouyo. Il me 3 mois de commencer projet ça. Pendant le Covid, mon amour m'a arrêté toute maladie, même deux chantiers ça vous fait. Je dis là, c'est pas une idée là. Mais ça fait, même réaménager des rails là. Moi déjà, il nous dit, on l'école communale Laval, avec Fomeria, depuis tout temps qu'Afro existait, Laval c'est toujours sous Carrefour. Puis 207 ans, on a fait 5 années de filière de notre ville, l'école, qui a fait pour aller pour une école des gants. Je dis à mon sur l'école Laval. Si nous faisons l'école, je dis, attention, ma position, on s'en dit. Magistrat, vous allez bouger parce que je me sens que vous avez mal passé, oui, là. Mais je ne vais pas bouger, non, peut-être que je suis en train de me chuter dans cette culture-là, bibliothèque. Cette culture, Emmanuel Chalmay, je vais vous envoyer une petite vidéo pour vous. Faites-moi une garde pour vous, pendant que vous avez pu vous pour essayer de réaliser. Je dis, ma position, centre de santé. Ou engagement de prendre une campagne. Je dis, ça, mon mia comme professeur d'université, comme mon qui a écrit non, je ne pas d'accord magistrat Carrefour, deux fois, pour me battre à la ville, la bibliothèque m'a quitté. Je dis, qu'on engagement de campagne. Je dis que c'est ce que vous avez dit, l'État n'a jamais fait là-dedans, ni magistrat passé Carrefour. Je fais trois plus gros projets dans cette communauté. Un projet sur santé, un projet sur éducation, et déjà, percé où tu déjà. Attendez bien, oui, ma construction de l'hôpital là, m'a inauguré le 5 juin. Non, moi la chandelle, m'a dit non, à regarder, c'est elle pour photographier pour vous. On a fait le centre de santé, au départ c'était le centre de santé, mon la chandelle, l'idée. Centre de santé municipal, mon la chandelle. Ministère a visité le dîme que j'ai fait là, il y a balle, il va voir le centre de santé parce qu'il est dépassé au centre de santé. Il y a pas de photo sur oui, ma pension, l'hôpital, on l'école qui est le Coraïto. Le Coraïto actuellement. Et ça, yo, mais là, elles sont là. C'est-à-dire que je dis à la Sibique Foutamara 47, toi, Voyal prend une image pour le monde, pour que si pas une place publique qui a construit Framara 45, que c'est un juge de droit qui vient à elle. Si pas une bibliothèque qui a construit un tour 12, qui a attiré la curiosité de tous les passants, c'est pas juste du café, le monde ne peut pas parler de ça. Mais justement, magistrat, je pense que sous Bassato, vous supposez gérer l'équipe communication pour gagner plus visibilité. Mais parallèlement, tout, l'étape difficile, magistrat, où pour taper ces 4 ans, pour pas ta réaliser un Carrefour comme étant proche pouvoir. Voilà. Ou est-ce qu'on dit exactement ceci. Si tout le monde dit que je ne pas faire assez, mais je ne pas réaliser un, ou d'accord, même si c'est utopique, ou d'accord, là on parle. Le monde capable de dire, Jude, bon, on est un Jude, son bibliothèque, son maïti normal. Je suis d'accord ça. Mais je ne pas faire un, c'est faux. C'est utopique. C'est de la méchanceté politique. Par exemple, je Madame Magali habite à M. Nombadi Plein. Tout le monde connaît Carrefour, il a gagné l'élection. Sans élection, il a gagné Carrefour. Tout le monde connaît qu'il a gagné. Il a fait un sondage, il y a 3 personnes dans le pays. Sur 420 candidats, il a dit que c'est eux-mêmes qui ont 3 personnes, il y a 100 personnes qui ont gagné. C'est Wilson Jeudi, Julie Edouard avec Gabriel Fortuné, au CAI. Et le sondage qui est sorti avant l'élection. C'est-à-dire que si c'est vrai, il a gagné le PHTK, il a gagné le PHTK en face. Il a dit qu'il a gagné un rapport avec le pouvoir. Attention! Cette question de Magali Abitra d'une équipe, c'est faux, mais nous qui est jugé, nous qui est ligne à suivre, nous avons des discours dans la presse, nous avons des positions sur les sujets d'intérêt national, nous avons des sous chaque
c'est pas si tu juste dis en position, et c'est philosophie. Non, ou clair, moi je suis d'accord avec ça, magistrat. Il n'y a pas d'amalgame parce que les maires de la République ne sont pas du tout intéressés à devenir agents intérimaires pour le pouvoir de BHTK. Okay. C'est ce qu'on dit, c'est la position de la FENAM. Okay. Donc, on croit qu'en politique, qui dit que pour éviter l'obéissance dans la commune, pour la mettre 6 ans de PHTK, premier en otage, qui dit que les maires resteront en poste jusqu'à la prochaine élection, ça a arrivé que les magistrats aient cette vérité. Mais depuis que c'est une commune qui est via intérimaire, on va tous laisser. C'est notre position. Moi-même, c'est dernier matin, je me fait pour moi, dans VIPAM, comme président FENAM, pour me donner un agent intérimaire dans le pouvoir politique. Jamais on va voir ça, c'était. On va voir ça, je ne pas qu'un agent intérimaire encore. Parce que conviction, la bataille que j'ai menée pendant les 4 dernières années, de faire les intérêts des collectivités territoriales, des municipalités, la prière compatible avec le statut d'agent intérimaire, c'est le péché capital. C'est samedi, me dit le président ça. Moi-même, pas un agent intérimaire. Moi-même, pas un agent intérimaire. Moi-même, pas un agent intérimaire. Ah, pour personne, moi, je dis ça. Parce que c'est un affront à la décentralisation. C'est un crime. C'est un dope. Lutter, faire un. Tout le monde, ça, quand on a profité de ça, je dis un agent intérimaire. Mais tout le monde connaissait justement, je dis droit, ma position sur la question. T'es pas gagné élection. Maïssa a été demandé à définir en 2010. C'était en 2012, mais je dis. Assurer intérimaire parce que tu parles d'une élection en décembre. Il est dit que le monde qui est là, qui est dans 6 ans sous 4 ans mandat, il n'y a pas l'élection pour démissionner. Donc il fallait qu'on ait le vide pour 4 mois, 5 mois. Comme parole ici, comme écrit, ça écrit, mon mari respecté, il a risqué d'aller au-delà de 6 mois jusqu'à ce qu'il devienne la possibilité pour nous à l'élection. Mais moi, éduqué, moi-même, je ne parle pas d'intérimaire pour personne pour voir en Haïti encore. Personne pour voir en Haïti encore. Ça m'a dit, ça va intéresser. Mon mandat terminé. S'il n'y a pas un consensus politique, ma planète. On va continuer la bataille pour essayer de faire droit à la collectivité, pour la collectivité, au budget, dans le budget pays, pour tout le pays, on a l'argent, pour un magistrat pas un jouet. Mais voilà, un magistrat pas un jouet. Quand on va vivre la tête, où est important ce magistrat? En Haïti, nous déclarons que nos magistrats ont joué. C'est NAM, nous étions là derrière, on m'a dit ça. Le président a décidé de tirer tout le magistrat pour pouvoir séparer sur lui à mon niveau, pas de problème. On restera justement nous-mêmes, avec la conviction que le pays ne pourra jamais changer sans une stabilisation effective qui passerait justement par la valorisation des fonctions locales et de la fonction municipale en particulier. C'est ça notre position. Donner à dire aller pouvoir, aller pouvoir, aller pouvoir pour que stabilité. Mais lorsque les intérêts des collectivités sont menacés, nos alliés sont les maires, les agents de la fonction territoriale, ou bien les alliés, ou bien les militants de la décentralisation. On n'aura plus d'alliés si les intérêts des collectivités sont menacés. Notre mandat arrive à terme, nous avons des chances, nous avons des faveurs. Nous prêts pour nous aller, le mandat nous finit. Ne pas décision, ne pas démissionner, mais nous prêts pour nous aller. Mais là, aller ou un boucou, mettons, monde qui n'a pas sauté, tout document que tu as donné, il y a beaucoup de jeunes déjà vogués au dit, il va le détruire pour empêcher l'élection élection encore, parce que le monde qui a venu, on qui est sûr, on dit que ça, il va nier en termes de volonté politique. C'est-à-dire que c'est pour cela que la FENAM demande un consensus politique, pas pour que les maires restent, mais pour garantir justement la survie politique de ceux-là qui sont aujourd'hui en charge des municipalités, qui devront partir. Parce que je dis à coup des comptes, l'État n'a pas le moyen pour le faire audit dans toutes mes vidéos depuis 4 ans. Comment on va le faire celle, je dis à pour le ballon déjà, tu n'as pas l'élection encore. Mes amis, il n'y a pas un exchange de l'élection, c'est pas comme ça. Moi, je suis scientifique. Je travaille dans l'État, j'ai 19 ans dans l'espace là. Moi, je connais un jeu, moi, je connais les conséquences. Moi, je connais que aux simples décisions qu'on a, qu'à enterrer un magistrat pour 20 prochaines années dans la vie politique. Donc, comme président FENAM, comme vigilant, comme qu'un des têtes, moi, vous n'êtes pas dit, me fait deal avec le président Jovenel. C'est mal un deal politique avec une pour poste, moi-même. Tout le monde connaît. Je suis très loin de là, c'est l'école mal arrivée là. Et conviction que le pays d'Haïti ne peut pas changer sur qui investit tout comme l'État dans Port-au-Prince, parce que Port-au-Prince est irrécupérable. Il faut aller en province, il faut valoriser les régions, départements, communaux, sexe-communaux, pour que nous vivions bien, pour nous déconstruire les mythes port-au-princiens, pour que les collectivités aient leur place de l'avenir de la République. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ma position, c'est ma conviction. Ma partie demain, 24 juillet, c'est le jour, et madame, c'est fini. Mais madame, c'est fini 24 juillet. Je ne sais pas. Pour le processus politique qui l'a prêté aux jeunes élections, je n'ai pas décidé d'aller. Oui. Ça va dépendre de moi, de ce marqué par le processus là. Mais cette question, on a voulu monter, dit, et magistrat, nous avons des négociations.
madame finit dans la négociation à monde, dans la négociation nous-mêmes. Ok, négociation. Regardez ça, parce que au départ, dans le début de l'émission, on t'a rappelé que importance magistrale. Oui, là, on t'a des magistrats. Oui, bébé. Oui, on t'a rappelé que dans le début de l'émission, hein, et plan qui a manigancé là pour t'avouer une série de magistrats aller. Et souvent, moun sa yo qui vient remplacer magistrat élu, yo pas venir régler rien sérieux que vin fourer mes prends. Et me songe, m'te même rappelons cas dans mairie Delma, un an seulement. Volé, donc, c'est que me rappelle, dans un an seulement, mairie a fait un déficit de 36 millions de gouttes. Me rappelle que, Wilson, tu dis, t'as rappelé ça. Pour garantir de plus. Pour mairie Delma, déficit de plus. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est ça, moi-même, d'avoir essayé de garder. Mais je dis, il y a un pile gros dans une série de municipalités, côté que la population estime que il y a des résultats que n'y a pas joint. Cependant, pouvoir avoir une vision, comme si il y a un plan là pour remplacer plusieurs magistrats, et me citer quelques noms tout à l'heure, ou pas penser que, je dis, dans la crise politique ça nous en Haïti, hein, il est capable d'y avoir fatal si Jovenel Moïse, comme président, a décidé pour remplacer tout magistrat d'un coup. Son question réponse tout bas, oui. Tout bas réponse là. Même comme président Sénat, comme maire en fonction, si mal je dis ça, je dis parce qu'il m'intéresse irrité. Bon, 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 tu vois, t'as de là, non? Vous faire une question réponse. Vous posez des questions et des réponses en tout un dedans, en deux questions. Si ça va être fatal. Non, moi, je vais imaginer, mais puisque vous même sur le terrain, c'est où de carouette, dimension. Mais c'est vrai, non, c'est vrai. C'est vrai. Le fait que je me donne réponse dans une question, c'est parce que je marchais avant, d'accord, et je me donne réponse dans tout. Yeah. Même d'où que, si moi-même position mise en fin d'âme comme magistrat, je ne peux pas être intéressé si je me dis ça, sous base que c'est pression. Au moins, non, on ne va pas être pression. Le président veut retirer tout magistrat, il ne peut pas être fait. Si là, c'est une constitution qui autorise le fait ça. Et c'est comme le président agit en fonction. Les responsabilités que lui reconnaît la Constitution. Oh, d'accord. Qui article la présidente possibilité de remplacer 146 magistrats dans mon article-là. Bon, seul article, il y a évoqué l'article 136 de la Constitution qui dit quoi? Le président est le garant de la bonne marche des institutions. Donc, c'est ça seulement qu'il a dit. Ou bien, la bonne marge des institutions, nous sommes intellectuels, nous sommes scientifiques, n'a pas essayé à profonde question. Nous disons que selon l'article 136, l'article qui pourrait être évoqué et qui pourrait être conféré à la présidence un certain pouvoir de décider du sort des maires aujourd'hui, c'est l'article 136 qui fait du président le garant de la bonne marge des institutions de la République. D'accord. On pose la question, en quoi consiste la bonne marge des institutions? Est-ce que c'est remplacé au magistrat qui est élu, trois membres dans le conseil qui est élu, que le président n'a jamais fait élection pendant 4 ans, parlement n'a jamais fait le président 11 ou 6 loi électorale pour faire élection, et que le parlement c'est le magistrat qui est élu, pas un petit ami ou qui va garantir la bonne institution. C'est de ça que ça dit aujourd'hui. Si on si a une bonne institution en définition en fonction du pouvoir PHTK, pas de problème. Mais nous-mêmes, comme scientifiques, nous connaissons qu'il n'a récusé elle quand même. N'a récusé elle. Nous pas intéressés à faire agent intérimaire pour personne. Nous voulons que tout le monde dans l'île, au bon gros réseau, dise pour nous, aucun maire n'est intéressé à devenir agent intérimaire. Attendez, pour magistrat, ce pouvoir. Magistrat, juste, attendez. Bon, bah, là, il faut nous clair sur lui. Je dis, c'est pas président qui a décidé de voir mon aller ou pas. Mandat nous a privé à terme. Ça veut dire mandat fini. Maintenant, puisque mandat oui. Fini, ou saute bien par l'État, capable de gagner un consensus, capable de gagner un. Il y a un accord politique qui permet que nous continuions. Mais qu'on y a un gars dans l'autre face. Oui. Qui sont pensés si tout magistrat, parce que quand pile que m'parle avec, qui dit que moi, je ne suis pas prêté par rapport à mépris gouvernement gagné avec nous, comportement. Qui sont pensés si tout. Magistrat. Qui sont pensés capable d'arriver si tout magistrat, dans toute commune, y a décidé d'aller d'un coup et puis laguer le ministère au vide. Mais voilà, ça veut dire que si le président apprend un communiqué, ou bien on arrête, ou bien on tweet, il dit que tous les maires sortent des élections de 2015 sont désormais de la réduction intérimaire, a bien départ massif des émissions, a bien départ massif en cascade, pour me dire intégral. Moi-même, je suis le premier à partir parce que je ne peux pas faire un intérimaire pour personne, moi-même encore. C'est incompatible avec.
et niveau lutte m'a mené pour décentralisation. Décentralisation a fait avec des élus qui investissent de légitimité dans l'élite communale pour entreprendre des actions qui visaient à changer la vie. Non, magistrat, mais là, mon problème, est-ce qu'on est d'accord, toute constitution n'a pas voulu aucune prolongation de mandat? C'est-à-dire, j'en parle à ou pas voulu agent exécutif, mais mandat fini, c'est comme quoi on a quoi pour prolonger mandat. C'est même pas pour arriver tout 2021, nous pourrons dire qu'on a quoi pour prolonger mandat président. Mais attendez, moi, je vous dis, si le président allait en 2022, il va faire élection, qui est-ce qu'il va pouvoir avoir un accord politique? Bon, ouais. On va pas prévoir ça, non? Ou dit 2022, donc, ou c'est moun qui croit le président pour aller en 2022, tout magistrat? Non. Moi, parce que le président a fait deux mandats. Même si le président doit aller en 2021, c'est le même chose. C'est le rapport de force. Ah, là, on rentre dans l'autre dossier, magistrat. Ouais, bon, qu'on veut rentrer là, on rentre dans l'autre chapitre là. C'est le rapport de force qui vont déterminer l'avenir de la République. Parce que le président. Il est assez intelligent pour comprendre que dans la République, on seul monde pas qu'à diriger. Là, on pas gagne parlement, on pas gagne collectivité, on pas gagne un pourquoi, on pas comprendre pas les vies. Tout est possible dans ce pays. Pour le président comprendre, dès qu'il a l'habitude d'organiser l'élection, pour le renouveler la chambre, pour devenir la 51e législature, là, il a deux majorités dans la chambre. Là. Et dans la chambre des députés, et dans la chambre, et dans le Sénat. Le député, par exemple, le président électoral, on pas trouvé qu'il a gagné forcément tout. Le président a convoqué une loi extraordinaire après le départ du 2 septembre pour être venu voter loi en novembre. Même si les perturbations politiques, même si vous avez fait des problèmes, c'est un sorti pour ce qui a été fait. Je dis à magistrat, nous avons fini, nous parler. Mais attention, le président sera le seul élu avec les 10 sénateurs dans un Sénat dysfonctionnel. Donc, dans une situation de gagner, chambre de députés qui était au complet, Sénat au complet, les collectivités au complet, et il y a qui crasé net, hein? Vous imaginez, je dis, que tout ça passe sous dos, un seul président qui n'a pas gagné encore légitimité parce que pas gagné un Parlement. Après, il va faire 2 ans à diriger ce Parlement, son président fait élection dans cette année, pour au moins les sauver. Si 2021 elle a résisté, la porte de force en faveur, et que je dis à la bon parlement qui était capable de venir qui co-dépositer de la souveraineté nationale, qui était capable de venir en pouvoir, qui était contrebalancer, et mes sacs de provinio. Moi-même, pas, moi, pour la stabilité, moi-même, toujours du président Jovenel, moi, après, il faut un accord politique. Sans un accord politique, le président ne pourra jamais terminer son mandat en 2022 dans le cadre de la stabilité. J'ai toujours mis ça en tête, moi, depuis 2017, moi, j'étais convaincu, lors d'une rencontre au Sénat avec le président de la République, il y a 9 mois, il est dit clairement, président, et seul plan que ça allait gagner pour sauver 5 mandats là, même si c'est 3 mois dans le mandat là, on va perdre quand même, même si c'est 5 mois on perdu quand même, ou pas pour 2022, dans la sérénité, dans la paix sociale, tout va faire un accord politique. J'assume, peu importe ce que cela peut nous coûter. Et je dis comme presque j'ai raison, Pas de possibilité sans un accord politique inclusif où tous les acteurs se reconnaissent et acceptent de céder une partie de leurs ambitions pour le président sauver de 2022. Parce que si vous sauvez 2022, le président m'avait dit qu'il y allait 2022. Il faut y aller, et que le pays a dans la paix. Et que le pays a. Non, mais. Magistrat, magistrat. Donc, s'il fait 5 ans, et que ton lobby, on débouche avec tout ça dans le pays, donc ça ne sert à rien, tu comprends? C'est ça la dimension de l'homme d'État. Pouvoir se surpasser, se dépasser, se démener pour proposer des solutions en dépit des sacrifices que ça t'a demandé. Et sous pas qu'à la dimension ça, ou passer à côté des fonds comme pour mener à terre de la nation. Et moi, je pensais que le président est assez intelligent pour comprendre un jeu ça, pour ne pas pouvoir, que c'est de pouvoir seulement. Pour être tout ça qui vient à elle, me dit sérénité, stabilité politique, et création de richesses, amélioration de la vie des citoyens et des citoyennes, investissement public et générateur de revenus, tout ça. Magistrat, une question fermée. Dans quelle élection t'es sorti qui bat ou comme magistrat élu? Dans quelle élection qui t'es pour toi comme magistrat élu? Je vote une élection en 2015, moi entré en 2016. Ok, ça veut dire 2020 fois 4 ans.
Oui, 4 ans. Juillet, c'est 4 ans. Ça va gagner du cas dans le TT. Ok, ok. Ça veut dire que, ou d'accord, c'est même élection ça qui était bas président Jovenel comme élu en 2016. Et l'élection président. L'élection président 2007 après. Ah, ouais, mais ça. Même élection 2015 qui continue en 2016, qui bat président élu en 2016. Le même décret électoral, le même décret électoral du 2 mars. Voilà. Eh bien, ok. Ça veut dire que, ou d'accord, président élu en 2016. L'élection pas fait. Président élu. En 2016, tout. En 2016. Exactement. Ou d'accord que... Président investi, 7 février 2010 déjà. Non, 2010. Il sortit l'élection 2016, il est élu en 2016. D'après la Constitution, il prête serment en 2017, 7 février, c'est normal. Au regard de l'article 134.1, 134.2, ou d'accord tout, élection à faire en 2016, donc de 2016 à 2021, ça fait exactement 5 ans, d'après la Constitution. Ça dit, là, il n'y a pas de rapport de force dans la Constitution. Ça dit, s'il voulait respecter la loi mère du pays, il doit partir le 7 février 2021. S'il voulait éviter un chaos dans le pays, c'est ça, moi, je pense. Vous ne pensez pas ça? Même pas si le président, regardez, où est ça, bon, je m'en vais. Où est-ce que nous, même au niveau final, nous passons l'instruction. Il faut nous créer un magistrat, il faut nous droit là. Qui est mal dit, nous, même final, nous disons que, pour le moment, nous gardons pour ne pas prononcer nous sous l'auberge d'art. Nous, des Suisses qui préoccupent pour nous, nous faisons 4 mandats, nous avons réglé. Un à collectivité, nous changer la vie collectivité. Jeudi, c'est 5 mandats, nous avons sorti bien pour nous préparer un rapport pour nous sortir. Parlez-vous un moment, après, si pas un accord politique, quel que soit le cas de figure là, que le président parte le 7 février 2021, qu'il parte en 2022, c'est impossible pour l'instabilité sans accord politique. Et dans l'accord politique, tout sera dit. Et ça va être l'expression de la volonté de tous les acteurs pour y céder partie de l'ambition. Parce que le président privé, tout, qui était monté, il était là pour 3 mois. Après 3 mois, il fait 9 mois, il fait 1 an. Ce qui bat, il fait 1 an. Qu'est-ce qui bat 1 an? 3 accords. Il faut nous comprendre ce qui a passé tout. Parce que je ne pas montrer que je vais défendre Jovenel Moïse pour finir le mandat dans 5 ans. Et qui ça, mandat 5 ans, rapporté pour Carrefour. Et Carrefour m'a dirigé moi-même. Je dis à tout le monde, toute la rue, tout projet où je fais, quand je vais me faire à chaque métier sur eux, je vais quitter mes en juillet, je vais quitter tout le monde pour me faire quand je vais me faire, je pas fait, pas l'eau m'a pas fait. Quand je suis pas fait, toi 14 pas fait. Magistrat, pas bon, pas fait. Sous base ça, ouais, d'accord avec vous. Sous base ça, magistrat, d'accord avec vous. Moi, m'pa gen problème, contrairement à ce que Samoun a dit, yon accord politique capable de permettre que Jovenel rete. Mais, yon accord politique. Tendez, oui. C'est ça, m'vle comprendre. M'vle que tout le monde comprenne. Tout. Oui. Yon accord politique capable de permettre Jovenel aller ou bien rete. Mais, si nèg yo pense que c'est un gros ponyet, yon vle arriver 2022 parce que yon te prêté seulement en 2017. Je pense que c'est une violation flagrante de la Constitution. Haïti a tout problème du monde. Que on opinion que je partage intérieurement avant. Généralement, je ne dis pas que je partage tout ça. Je suis qui assez critique, qui a assez recul dans l'analyse, comme analyste, comme scientifique. Mais honnêtement, je partage intégralement avant ce que je dis là. Si c'est un gros point, une force, je connais que après février 2021, je parle de fin 2022. C'est la foutaise parce que je dis à ou pas bien mon cap payer taxe manifestation par tout côté dans le pays, le président pourra bien rester jusqu'en 2022, mais la transition deviendrait irréversible, inévitable, et la transition aurait bien lieu sans lui. Aujourd'hui, le président a la possibilité de faire partie de la transition. Je suis d'accord, s'il voulait négocier, opposition a une obligation pour l'OTAN négocier tout. Mais si chaque monde va négocier, finalement, c'est Haïti qui a péri. Et là, il y a une jute au centre. Il y a une jute dans un silence complet. Il y a une femme dans une position patriotique qui a dit les choses telles qu'elles sont. Je ne l'ai dit la dernière fois, président, pas de contrôle pays, il faut l'accepter, sacrifier au parti de mandat là pour le mettre sous table là, pour faciliter le dialogue. Je l'ai dit. Mais on n'a pas été entendu. Et aujourd'hui, le même sujet revient sur la table. Allô? Oui, moi là, m'attendo. Allô? Moi là, m'attendo. Le même sujet revient sur la table. La nécessité d'un dialogue politique et responsable, inclusif, parce que le président n'a pas la solution aujourd'hui. Tout comme l'opposition,
mais les deux ensemble pourraient proposer quelque chose de meilleur à la République. À la République. C'est ça, oui, je pense moi-même. Non, là où correct. Mais bon, du magistrat, qui le n'a sorti comme monde qui n'a politique dans le pays, hein? Qui le n'a sorti dans véritable tête chargée ça? Pour qui ça veut dire n'a pensé? T'as le magistrat. T'as le. Oui, bon, bien formuler question. Hein? Parce que nous-mêmes qui n'a politique active dans le pays, hein? Pour qui ça veut dire nous obliger à parler d'un accord politique? Si y a gagné, parce que en pile moun kwe, pas qu'à gagner négociation bien à quoi avec président Jovenel, qui tellement ba yo menti sur toute la ligne, nous pas prêter sur ça. Maintenant, pour qui ça je dis, attends, chaque mandat pral fini, nous oblige à penser à quoi politique, alors que président, ou saute répéter le talent, au regard de l'article 136, li gen pour mission, obligation, pour veiller sous bonne marche institution yo. Qui ça qui cause que élection, pas jamais organisé pendant 4 années président sous pouvoir. Qui ça cause ça? Alors que, lui confirmer que le voyait 2/3 dans le Sénat aller, que le pas supposé faire. Pour qui ça veut dire ça? Pas jamais une élection qui fait pour renouveler 1/3 Sénat. Ça veut dire, est-ce que le président est-il confortable? L'a dirigé lui-même seul, comme seul chef, comme seul coq chanté dans Basse-Couan, et puis lui ignorer l'autre autorité. Qui ça qui cause pas une élection pour réaliser, pour remplacer lui normalement? Je ça a toujours fait. Bon, moi-même, c'est ça qui est malgré pour ça, sauf que ce m'a dit, c'est que c'est n'importe quoi. On ne dirige pas une république de cette manière-là. Pour qui ça tombe par un conseil constitutionnel? Pour ma compagnie, c'est toute la raison d'en parler. Au président, il gagne une autorité de majorité dans la chambre dans le pays, là, pas n'y a aucune majorité arrivée, justement, dotée de pouvoir d'une loi électorale. Pour nous faire trop de tétions. Parce que moi, nous avons au-delà de ça, le président. Donc, comment on comprend tout? Le parlementaire de la Chambre des députés n'a pas jamais fait une séance pour analyser le texte-là, ou pour brouiller la loi électorale-là. Mais le magistrat qui parle, le magistrat qui va organiser l'organisation d'élection. Vous comprenez? C'est la question, moi, je pense, des interrogations sans réponse. Monsieur, tu as une réponse, vous me dites que c'est de la foutaise. C'est des mondes qui ont des stabilités publiques, mais qui n'ont pas à la hauteur de stabilité ça, yo, parce qu'ils n'ont pas dirigé comme ça. Depuis, États-Unis continuent à faire élection jusqu'en 2050, jusqu'en 2100. Je dis, la France qu'on est, et l'Angleterre qu'on est, tout le pays qu'on est. Mais je dis, le mandat fini, personne n'a fait élection en fait. Et le Premier ministre joue, m'a dit le chapeau. Nous n'avons pas un pays, c'est là. Nous n'avons pas un pays quand même. Nous n'avons pas un pays. Comment on fait 4 ans d'élection qui est faite, nous-mêmes magistrats, nous demandons pour l'élection faite pendant 4 ans d'abgoumen, et je ne vais jamais faire. Je dis, pour même pouvoir ça, penser le cas changé, pour mettre le monde parle. Mais c'est quoi cette histoire? Je vous dis, la première ministre, je ne vais pas répondre à ma tête, ça m'apprendre en pile. Je dis, vous avez, mon avait cru que vous étiez comme agent intérimaire. Au lieu que vous avez critiqué le gouvernement qui passe l'élection, oui. C'est des notables de la communion qui ont demandé pour bailler au poste magistrat et intérimaire. Mais c'est ça, oui. Ça veut dire que les peuples ont les gouvernements qu'ils méritent. On ne peut pas partir contre pouvoir, contre président, contre premier ministre qui a fait l'élection. Comment vous renouveler magistrat? C'est propre monitaire qui t'a supposé faire ça, je veux dire, qui a demandé. C'est ça, oui, le monde à l'envers. On ne peut pas faire ça aucun côté, dans aucun côté dans le monde. C'est ça, Mdou. Ça, c'est inexplicable. C'est parce que nous vivons de bagailles. Nous vivons de la science, n'a pas passé misère, nous vivons de la mer. Ouais, tout le monde est dans le tout le monde est dans le pays, c'est le monde qui a les moyens qui a dans un petit pays, la Cayenne. L'autre côté, c'est côté où on construit une grosse chaîne d'hôtels, côté où il y a un gros investissement, on dit que l'âge à ville, qui paye des taxes, qui paye des taxes, qui a la possibilité de réinvestir, changer la vie dans l'autre quartier. Mais nous-mêmes, nous faisons les choses à l'envers. C'est-à-dire, il faut des gens responsables, et bien, qui pour investir les espaces de pouvoir, et bien, qui respectent la loi, les lois et la constitution, qui assurent de manière régulière le renouvellement du personnel politique à tous les niveaux de la République pour que stabilité politique là vienne aider justement à organiser la société, à lui apporter justement le développement. Donc, tel rêve. Voilà, magistrat, c'est pratiquement dernière question pour nous terminer l'entrevue cet après-midi. Hein. Déjà, merci parce que tu es mettons disponible pour l'émission Ticozac TT. Mais en gardant bagaille, parce que il y a des gens qui disent au même qu'ils n'ont pas de négociation avec Jovenel Moïse. D'ailleurs, président tellement pas respecté ça, il dit tellement pas, il m'a pile moun menti, société a menti. C'est que il dit seule façon pour négocier, on est capable de menti, c'est pas attendre du tout. Parallèlement,
gen an pil menas ki sou peyi an la, si toutfwa ke prezident a deside kontinye dirije peyi an, bon, okay, dirije kan menm, dirije peyi an ou delà de 2021. Nou pa krent nou menm kom politik pou gen yon lot kriz ki pi red pase sa nou te konen 6-7 juye 2018 pou nou derive nan peyi lot ki sou te pase la nan novembre-décembre 2019? J'ai peur de tout cela. Et pourquoi j'ai cette peur? J'ai peur parce qu'au fait, le rapport de Fossio, pas du côté du président de la République. Parce qu'au fait, et capacité de mobilisation opposition et consécutivement à l'événement 6-7 juillet, vient montrer que et par rapport à résultat pas mal pendant 4 ans, gouvernance président Jovenel là, eh bien, pas gagner plus de monde qui va mobiliser comme ça. Et même si le président a traversé cette année 2021 pour l'année 2022, il n'y a pas fait l'élection, il a pris transition quand même. Donc, c'est-à-dire que le président, m'espère qu'il a gardé sous caméra et rencontre me faire avec la conseillère de Bali, le président, et mettez au service de la postérité, sacrifier un an de mandat là, faire l'élection anticipée. Pour le premier ministre, m'a dit ça. Et le ça, comme opposition va venir négocier, si vous proposez un an mandat là, de manière volontaire, hein, pas sur base forcée, hein, et que vous prêt pour sauver la République, pour sauver la stabilité politique, pas sortir grand, ou qu'à retourner candidat comme jeune garçon, mais ça a un acte de grandeur, un acte d'envergure qui est inestimable dans l'histoire politique moderne. Même j'ai été fait en République dominicaine. Je n'ai pas été entendu, au fait, ceci n'a pas eu lieu. Malheureusement, le sujet revient sur la table et les esprits commencent à être surchauffés et personne ne sait de quoi demain sera fait pour la République. C'est quand même une inquiétude totale. Moi, j'espère que toute partie va venir entendre que on dit Haïti d'abord et que nous t'as souhaité que de tout cœur, on a encore politique. Qui dit comment ça va faire. Parce que, quoi qu'il arrive, Tété, si le président doit partir ce février prochain, il doit remettre le pouvoir à qui? Donc, il faut que tout cela s'arrange au départ, tu es d'accord? Donc, à défaut d'une solution, d'une proposition viable, qui patriotiquement acceptable, le président va devoir rester quand même, quoi qu'il arrive, malgré vents et marées. Le pays sera dysfonctionnel, les institutions seront dysfonctionnelles, mais il restera toujours au pouvoir comme c'était le cas pendant les 10 derniers mois. Est-ce que d'après vous, il n'y a pas fonctionnel là? Vous pensez au fonctionnel, l'institution? Non, mais là, c'est difficile de vous dire parce que à cause de Covid là, il y a un prétexte, mais il n'y a pas fonctionnel, d'accord? Ouais. Le président fait au moins le bac à l'ambiole, d'accord? Le président fait au moins le bac à l'ambiole, d'accord? Uh-huh. Donc c'était compliqué. C'est là, ça va être le président Jovenel. Moi-même, je tape fond accord politique. Nous avons sacrifié un an le mandat. Nous avons fait depuis en octobre l'année passée. Nous avons provoqué l'élection en octobre 2020 là. Et nous avons passé en 2021 pour nous sauver la stabilité. Yeah. Pour nous sauver la stabilité. C'est ce que j'aurais fait. Oui, c'est ce que j'aurais fait. Mm. Et c'est ça, leur diriger, vous comprenez. Mais t'as semblé président Babre conseil. Tout. L'Igébrez, tu as de plus, mon. Même si je dis à la mairie ATT, je n'ai pas intéressé à faire 11 jours en plus. Au-delà de mon mandat, fini. Même si on agent, moi c'est un agent exécutif au niveau local. Moi, pas mon fonction législative. Président pas remplacé depuis que ça fait le mandat de député a fini obligé d'aller. Et le mandat magistrat a fini le pas qu'à lever l'aller. Comblé parce que vous comprenez, il y a un rapport pour le bail, vous comprenez? C'est une nuance, papa. Bon, vous comprenez. Quand on dit qu'on fait le député, le mandat est fini d'étoile, mais c'est différent. Il faut maîtriser les rois administratifs de la République. Il faut voir la responsabilité de chaque institution, de chaque groupe de dirigeants. Je dis à moi, c'est magistrat qui a fait, il n'y a jamais été à l'époque de l'État qui m'a quitté, mais voilà, le ils sont d'accord. Oui, c'est clair. Si une dysfonction dans les médias, le président qui a été pour assurer la stabilité institutionnelle, continuité service public, on ne peut pas le placement parce que il y a bien monde quand même. Il y a pas arrêté ça, tout comme il y a pas arrêté ça, on a dirigé le monde. Quoi qu'il arrive, il va y avoir des dirigeants dans ce pays, malheureusement. Même si c'est en transition. Côté,
eh bien, démonstrer la sortie. Mais en plus, le monde pensait son transition. Eh bien, merci, oui, magistrat, son plaisir. En plus, le monde pensait son transition. Je vous remercie parce que nous avons dit que nous parler après-midi. Hein? Oui, la transition est presque inévitable. Mm-hmm. Et moi, je pense que la transition n'est pas possible. Pourquoi ils ont dit presque? Inévitable, tout simplement. Et au fait, non, parce que la politique mm-hmm. en elle-même, elle est insaisissable. Mm-hmm. On ne peut pas dire demain avec certitude comment la fête. Par rapport à la prévision, fait ou qu'à supposer par tel genre, mais à soi, en facteur exogène, ouais. on raison mieux pour l'autre, c'est bah, il a changé. Donc, il faut relativiser les analyses politiques parce qu'il n'y a pas de sciences exactes, il va faire partie des sciences dures. Donc, pas de 1 plus 1 donne 2. Mais par rapport à prévision, par rapport à évolution, par rapport à conjoncture, par rapport à ça, nous comprenons, si pas de accord politique au bénéfice de la République, eh bien, tout peut partir dans tous les sens et le vrai perdant serait le pays. Le peuple haïtien. Merci magistrat Jude Edouard, pour son plaisir pour que nous te parlions après-midi. Merci infiniment. Merci en pile. Moi, encore une fois, salut, courage magistrat et collectivité. Moi, je dis nous resterons debout parce qu'on magistrat, désormais, pas on jouette dans le pays d'Haïti. Toute diaspora qui a suivi, qui a souffert de gens qui pas rentré, maladie a exigé, le même temps des premiers ministres nous demandent ça déjà pour commencer à déconfinement. Donc, il va l'ouvrir volio pour nous entrer la caillou, pour nous continuer à vivre, parce que diaspora est vraiment indispensable dans la vie de l'haïtien. Donc, après 3 mois comme ça, je pense qu'il y a vraiment à bout, surtout le monde qui était à l'envers quand il pas rentré. Et l'autre génération qui fait voyage, qui vivent du commerce entre États-Unis et Haïti, moi, je pense que c'est une très bonne nouvelle. Pour que nous fassions des confinements, pour que nous fassions des barrières, même si des confinements positivement, pas le vin. Donc, à la lutte, toujours au front, pour nous continuer cette bataille-là, même vraiment de déstabiliser le pays, nous avons des acteurs politiques, pensez à Haïti, président, pensez à Haïti, opposition, pensez à Haïti, il y a des bagailles inadmissibles. Bon, jamais de l'opposition en son coup. Pourquoi jamais d'aller côté de l'opposition, pas président, son gouvernement. C'est pas possible. Les deux, ont l'intention de diriger la République. Donc, il faut quelque part, parce qu'Haïti, c'est les deux de la terre commune, il y a les mecs qui sont déviés. Pour chaque monde qui est au parti d'ambition, il faut faire d'Haïti la réponse qu'il faut apporter au peuple haïtien. Merci, magistrat. Son plaisir. Allez. Voilà, magistrat Jude Edouard Pierre avec Linda Bessébra, c'est l'idée. Merci infiniment parce que nous t'es là, mais on est qui fait toute ville à bas, nous menti, c'est pas possible. On a pris 2 amis en ligne, on a dit. Kyriel Telus, en dedans, votre fourmi, il y a pour tout pour. Fais chalbe, Kyriel. Ou fait quoi? Les Kyriel parlent vagabond paix, que vagabond fait bubu. Moi, dis. Fuck pays a gen courant 24 sur 24 dans 16 mois. M'kapelel. Même j'en dis, nous pral fêter 200 ans citadelle en 2020. Fuck bon téléphérique qui installe citadelle pour l'homme ou besoin de citadelle. Ou cap monter nos cabines téléphériques pour monter citadelle. En 2020, la fête, la piète en Paris. Bali, Bolova. Moi, qu'on commence à mettre terre, rivière, soleil là, à mon ensemble, pour peuple là qui vient manger dans cette tue, et l'argent en poche. Salier! Hey, mais moi, pays a 5 gros problèmes. 5 problèmes que pays d'Haïti a. Il va remplir 5 seulement. Premier problème, non, c'est corruption. Deuxième problème, non, c'est corruption. Troisième problème, non, c'est corruption. Quatrième problème, non, c'est corruption. Petit trou de nip fait 7 et puis n'a bien Jérémy fait 8. Bien 8 aéroports que nous allons construire dans le pays, plus 3 gros aéroports internationaux. N'a renforcé l'aéroport de Port-au-Prince qui a recevoir 900 000 personnes qui ont mal metté le boule pour recevoir 2 500 000 personnes par année. Aéroport au Cap-là, n'a metté le condition pour recevoir un pile passager et puis n'a fait aéroport au Cap-là en aéroport international. C'est quoi fait, papa? Oh, m'bat konnen. Gwo bonne route nan peyi a depuis 1804 ki pa janm fè. Tankou route Kafou Jof an sa fouleur. Route Port de Paix Jean Rabel. Jean Rabel pou ale Marouge. Marouge Mol Saint-Nicolas. Mol Saint-Nicolas Bomadopolis. Bomadopolis B2N. BDN, Anse Rouge, Gonaïve, Wout,
bus rouge qui allait vers Jean Rabel en passant par Mon Gatinet. Route Gonaïve Terre-Neuve. Route Henri Saint-Michel de la Talaye. Saint-Michel de la Talaye Machon. Saint-Michel de la Talaye Saint-Raphaël. Saint-Michel de la Talaye Maïsade. Maïsade Hèche. Hèche Thomasique. Dans 4 ans, 2 mois pour voir Créteil pour nous construire toute route ça. C'est décision ça. Bali Bolova. Nous travaillons pour que le pays ait 22 cents. Le nous dit, nous ne pouvons pas nous servir avec toilettes en bois encore. Ça veut dire que les toilettes de génie commencent à blâmer sur tout le pays. Là, nous nettoyons, il faut y côté pour que l'eau ça y a traité. C'est ça où les infrastructures sanitaires, plus blocs sanitaires, nous allons marcher maintenant en pile l'école dans le pays. Parce que d'après l'information que nous avons, il y a plus passé 22 000 écoles dans le pays qui n'ont pas de bon toilette côté pour tout le monde aller. Pas grave, ça est grave. Teyel Telus, Palakio, Teyel, Teyel Telus, Palakio, Telus. En dedans, votre fourmi a pour tout pour. Fais-le, Teyel. Ouvre corps. A nos bons amis, allez, n'a dit bonsoir et bienvenue. N'a fini dans exactement 7h40 minutes. Et par exemple, on prend 30 secondes pour nous parler. Comment nous y est? Oui, n'a pas été. Eh bien, on parle donc. Comment y est, frère? Moi? Mon cher, n'a combat de grâce à Dieu depuis Canada. Mon cher, nous félicitons en pile pour le travail. Et aujourd'hui, émission est vraiment belle. Mon cher, nous apprécions ces magistrats quand même. Oui. Malgré ces deux équipes, mais quand même, les clarifier quelques bagages qui sont vraiment clairs. Oui. 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 La vie, c'est comme ça. Chaque con, nous pas dit, n'a pas le fait ça, n'a pas le fait ça. Si t'es un bagage, n'a fait lion foi pour tout. Parce que pas gagné ni dialogue, ni cita, prolonger mandat avec père, ce soit monde, t'étais 2021, c'est fini pour une transition de rupture, comme yo dit, pour passer sous les loyaux, pour toute bagaille faite, et puis t'étais pour payer à grand l'autre match. Mais si t'étais, nous félicitons qu'il y a là. Exactement, d'accord. 50 secondes. Oui, monsieur Porek, on pose. Oh, puis gagne Donald Trump qui est là, non, moi, Washington, D.C. Zamim, comment nous est? Teyel, nous en forme, nous pas plus mal, n'a pas gardé. Merci. Je suis en train de magistrat qu'à fois avec un peu d'attention. Mais il n'a pas expliqué tout, combien lui-même, il y a une organisation, il est à mot. Côté de plusieurs millions de dollars qui passent sous compte AMO, qui c'est l'association magistrat l'OSIO. Que le gouvernement baille pour pendant un moment pays lock là. Il ne va jamais expliquer ça. Il ne va pas jamais dire comment il définit l'argent ça. D'après l'information que j'ai gagné, il est comme ça passé sous compte personnel magistrat Cité Soleil là tout. Et c'est ça que fait un groupe citoyen de Cité Soleil qui m'a demandé ISPC pour faire bonne enquête sur le passage magistrat Cité Soleil. Parce que c'est lui-même avec magistrat Cité Soleil, là, c'est secrétaire général Amo. C'est lui-même avec Jude Edouard qui s'y échec. Ah, et vous avez écrit ça en bas live, là, mon cher, je vais poser magistrat la question, je ne vais pas connaître ça. Bon, on devait t'envoyer un message à vous, qu'on pas te... Oh, ok. Vous connaissez un message en pile. Eh bien, ok, pas un problème, non, là. Merci, parce que nous ne pouvons pas arrêter. Nous arrêtons seulement une minute pour nous finir. Merci, en pile. Merci, parce que vous avez reçu. Voilà, merci. Bon travail. Merci, parce que nous, là, justement, Colossien tellement des autres... Bon, c'est pas moi qui t'ai dit, c'est Michel Matéli qui t'a dit que... un bon, l'autre ami, depuis Chili, comment nous y est? Alors Tete. Frère, comment nous y est? Nous avons fait un Santiago de Chile. Santiago de Chile, comment est la cosa por allá? Dime. A Catodo está bien. Bien, gracias. Moi, je suis PDR, je suis obtenu des anciens projets. Je suis PDR. J'ai commis, Gabriel. On t'y stresse. On t'y stresse vraiment. On parle. On cherche ma part. Ah, comme nous déjà, je suis fan malade. Moi, c'est Elien Gilbert, pour le Santiago de Chile. Et moi, je trouve que Maïssa a été, il y a quelques balles, il dit, malgré son joueur de l'équipe, il était très bon. Samba la Coavelle, pas de gain à corps politique
sur un bagage légal qui dit que le président peut aller 7 février 2021. Pas de grand accord pour le rété ou bien pour l'aller. Faut nous arriver dans le pays pour nous respecter la loi. D'accord? Faut nous arriver dans le pays pour nous respecter la loi. C'est doit aller 7 février 2021. Pas dire, on nous joue un accord pour l'aller ou bien pour le rété, etc. Non, c'est ça pour le. C'est ou bien nous respecter la loi ou bien nous pas respecter la loi. D'accord, Tété, m'a toujours dans d'eau. Merci, merci en pile, merci. C'était un ami de Chile, mais c'est pratiquement la fin. Je dis à nous parler de Colossien, papa. Parce que nous finissons, faut nous aller, nous violer l'émission chaque jour. Merci à vous. Mais justement, Michel Martelly, monsieur Téclair, monsieur Té, dit que ça, là où elle peut arriver dans le pays, là, c'est ça la mine pour le manger. Sans filtre, monsieur Télagé, ça, sans filtre. On ne parle pas en pile. Mais président Madeli, où m'a nous pour une pipère là? Tu m'as dit que non. Nous avons plus passé 30 ans que nous avons fait expérience dite. Parce que si c'est le contraire à nous faire, si nous vivons sur toute vous, nous cédons, nous ne faisons rien demain, nous avons mangé caca. Sans filtre. Donc c'est Michel Martelly. Donc question et mandat président, c'est un bagage bon qui classé d'après moi-même. C'est vrai que Jude parlait de accord politique. Oui, son possibilité parce que nous pas qu'à écarter toute possibilité capable d'un accord. Mais si l'équipe de Jovenel Moïse pensait c'est un gros poignette que yo pral ouais si yo a violé ou encore pété fiel constitution pour y arriver en 2022, et bien c'est pral crise totale. Et pays a pas stable, pral gen instabilité net alcoolé, et nous risquons de perdre l'autre année l'école. Ça que nous pas ta souhaité. De plus, qu'on a qui a factualité, parlant de l'école, m'a questionné tête moi, est-ce que l'école ministre a annoncé sous TNH là, est-ce qu'elle ferme ou bien est-ce qu'elle est en vacances? N'est-ce que tellement rincé à moun dans la société? Bonsoir tout le monde, son plaisir pour nous être là. N'a pas croisé bien sûr, demain Dieu vous lance sans faute 5h30. Pour une autre émission avec l'autre acteur qui impliqué dans la société. Bonsoir à vous, je remercie en pile. Merci parce que nous partagez l'émission. Merci parce que nous partagez l'article Trip Fumi. Et surtout, merci aux mêmes qui abonnez à la chaîne YouTube. Parlons pour changer avec Tité et Trip Fumi Info. Bien sûr, merci à vous. Noël Lumet tout rouge. Continuez à partager avec Natacha Pétion. Maman base, deuxième maman base, Msalio et Kimbella, bon travail, félicitations sur Radio à Tibonite International. Bonsoir tout le monde, bonsoir à vous, chapeau à Marie-André, Michel, toute l'équipe. Nous connaissons nous en pile, Séti, merci, nous toujours là. Et Colossien, nous connaissons toujours là. Merci Fanette Guillaume, Emmanuel Dérogène, Zora Saint-Pierre, Jean-Denis Masson, merci à vous. Et Daddy Marcelin, nous saluons nous toutes. Tiens, Bérette Pamoli, nous allons croiser demain, sans faute, pour notre émission. Allez, bye bye. Sauti lundi pour arriver vendredi, depuis le fait 5h30 pour arriver 7h à souhait, et puis chaque week-end, sauti 4h pour arriver 6h PM, sur Pigo Réseau Mondial, la Trip Fumi Info, rendez-vous à casser dans Ticozé à Tété. Une émission qui a formé, mais tout informé, côté Teriel Telus, analysé, mais tout fait débat contradictoire sur tout ça qui a brassé Bill, pays d'Haïti, à Cresmondlan. Nan ti koze ak tete, internet yo gen mo pa yo tou, sans compter rubrique invité ya ki bay la parole ak akte yo. Ti koze ak tete, yo rendez-vous pa dwe jam rate, yon di lot, et puis si tout, partagez-le, yon ak lot. Sept février 2000.